vous êtes tout beau. Hey, ça me fait trop plaisir de vous retrouver, ça fait 2 semaines que j'ai pas tourné et c'est vrai que j'étais un peu malade. D'ailleurs je voulais faire une vidéo dessus parce que c'était, enfin comment dire, d'une maladie un peu particulière qui a été déclenchée suite à un médicament, enfin une réaction allergique à un médicament dont on ne veut pas trop parler et je trouve que c'est dommage. Et en plus j'ai jamais vu de vidéo sur quelqu'un qui veut la même chose que moi et je pense pourtant que je ne dois pas être la seule sur terre à avoir fait ce genre de réaction, donc je vais faire une vidéo et je vous en dirai plus. D'ailleurs le médicament ça s'appelle Roaccutane, c'est très connu, donc voilà, stay tuned. Je pense que je sortirai la vidéo peut-être dans 2-3 semaines, je vous dirai, ne vous inquiétez pas, suivez-moi sur Insta et comme ça vous saurez quand je sors cette fameuse vidéo qui à mon avis va intéresser plus d'une personne parce que c'est quand même un sujet bien tabou dont on devrait plus parler. Bref, du coup, parlons de mon staffy, Staffordshire Bull Terrier, qui est juste le meilleur chien du monde. Bon, alors, je ne suis pas forcément très objective, c'est vrai. Après, comme chien, forcément, j'ai eu un pitbull et j'ai eu un staff. Donc, on reste à peu près dans la même catégorie de types de chiens. Mais moi, c'est mes chiens préférés parce que j'adore les chiens avec qui tu peux courir, tu peux jouer. J'aime pas les petits chiens. Peut-être qu'on les associe trop aux petites mémères. Alors, petit chien, petite mémère. Petit chien genre Chihuahua, Paris Hilton, donc forcément on a plus trop envie de ces chiens là. Mais moi je trouve que les gros chiens là c'est carrément plus cool. Et aussi l'avantage des staffs et de tous les chiens, je veux dire le pit ou l'amstaff qui sont dans le même type de chien, c'est qu'ils sont très résistants aux maladies et que ça ne vous coûte presque rien en frais de veto. Enfin ça peut arriver qu'ils tombent malades mais ça reste quand même des chiens par exemple comparé à d'autres comme le dalmatien ou comme le berger allemand qui ont quand même moins de maladies. Donc ça c'est quand même agréable, je veux dire, que plutôt que d'avoir un animal qui est souvent malade. Et au-delà de l'aspect financier, c'est plus émotionnellement, c'est toujours horrible quand on perd un animal, donc on préfère qu'il soit un peu malade et qu'il vive le plus longtemps. Voilà, pour cette vidéo, j'ai fait ça parce que sinon je pourrais parler mes 20 ans de mon chien, tellement je l'aime et tellement il y a de choses à dire. Mais je voudrais faire juste un petit disclaimer au début qui est que on devrait pas acheter des chiens, je veux dire, ou du moins avoir juste des petits élevages où la personne a 1 à 2 races de chiens maximum parce qu'il y a trop de chiens qui sont abandonnés. Je crois que c'est 100 000 chiens par an qui sont abandonnés en France et recueillis par les différentes associations comme 30 millions d'amis, la SPA ou autre. Et il faut arrêter ça en fait, c'est horrible. Prenez des chiens en refuge comme j'ai fait et c'est juste la meilleure des solutions. Revenons donc à mon toutou, je vais vous parler un peu de son histoire et ensuite de vous parler un peu de manière générale de maintenant qu'il vit chez moi, comment il vit sa vie et du coup si vous voulez un staffy comme moi ou si vous avez un staffy, bah les choses pour le rendre heureux et vivre au mieux avec son staffy. Ouais, j'ai mis un peu une petite robe pour fêter l'arrivée des beaux jours, sauf qu'en fait chaque fois que j'essaie de fêter l'arrivée des beaux jours, et ben en fait 2 jours après il pleut des cordes. Enfin bref. Donc mon staffy, donc qui est l'American Staffordshire, non, le Staffordshire Bull Terrier, on va y arriver. Donc mon Staffy, c'est un Staffordshire Bull Terrier. En fait, Staffy, c'est un peu le diminutif pour pas le confondre avec l'Amstaff ou Staff dans le langage commun. L'American Staffordshire qui, lui, est catégorisé. Alors, vous savez qu'en France, on a catégorisé les chiens parce qu'il y a eu des accidents à cause de propriétaires complètement cons qui s'occupaient mal de leur animal ou alors le problème aussi des combats de chiens, malheureusement, qui a eu lieu. Donc en 99, il me semble, on a commencé à catégoriser les chiens. Donc catégoriser 1 et 2. Et en gros, catégorie 1, c'est les bâtards des catégories 2, grosso modo. Donc, je vous laisserai vous renseigner, je mettrai le lien d'ailleurs en description pour, voilà, pour que vous voyez un peu. Mais en gros, vous avez dans la catégorie 2, l'American Staffordshire, qui est en gros une version plus grosse du Staffordshire Bull Terrier, pour faire très simple. Hein. Moi, j'ai le Staffordshire Bull Terrier, donc celui qui est plus petit et pas catégorisé. Et au-dessus, vous avez l'American Staffordshire Bull Terrier, qui lui est catégorisé, parce que plus gros. Et encore au-dessus, vous avez le Pitbull, qui en France, considéré en fait comme le bâtard de l'American Staffordshire, donc un chien sans papier ou croisé, voilà, qui est catégorie 1, donc normalement vous en croisez plus, puisque qui dit catégorie 1 dit que les chiens depuis 99 n'ont pas le droit d'être reproduits, importés, vendus, voilà, donc normalement ils ont dû disparaître, après il y a tellement d'élevages clandestins malheureusement. Et par contre le pitbull aux États-Unis est reconnu en tant que race à part entière, donc c'est pour ça que moi quand je dis que j'ai grandi avec un pitbull, c'est parce que mon chien pitbull venait vraiment des États-Unis où c'est reconnu comme une race à part entière. Voilà, pour la petite histoire. Donc revenons donc au petit qui est le Staffordshire Bull Terrier, qui est pas non plus très petit, hein, je veux dire il est comme ça et
comme ça quand même, hein. C'est... Vous le mettez pas sous le bras, quoi. Et il fait à peu près 20 kilos peut-être pour un mâle, 18 moins pour une femelle, donc ça reste quand même des toutous qui se portent bien, mais c'est justement ce qui est trop cool. Je vous mettrai une vidéo Esprit Dog, donc en fait c'est une chaîne YouTube, mais à la base c'est un éducateur canin, donc il y a une entreprise, voilà, qui est... société d'éducateurs canins qui forment des éducateurs canins et qui aident les gens aussi qui ont des problèmes avec leurs chiens à revenir un peu sur ce qu'ils auraient loupé dans l'éducation du chien, puisque c'est très très important de bien éduquer son chien, spécifiquement quand on a des gros chiens qui ont de la force. Bah, s'il est mal éduqué, bah forcément à l'âge adulte, quand il fait n'importe quoi, ça fait des gros dégâts, tristement, et malheureusement c'est toujours le chien qui paie plutôt que le maître, parce qu'on euthanasie pas le maître, par contre on euthanasie le chien quand il y a des problèmes, et c'est ça qui est triste. C'est pour ça que c'est hyper important de, quand on prend un chien, de vraiment se faire accompagner dans l'éducation si on n'a jamais éduqué ce type de chien, et puis de... voilà, de... d'être consciencieux et pas d'un... c'est pas un cadeau de Noël un chien, c'est pas un cadeau, c'est une décision qui doit être réfléchie et acceptée par l'ensemble de la famille qui va vivre avec lui. Bref, pour revenir donc au gars qui fait Esprit Dog, il a une chaîne YouTube, il présente des races de chiens, il fait aussi des lives sur... enfin des rediffs de live avec en parlant justement de chiens, il donne beaucoup de conseils, et je vais vous mettre donc la fiche de présentation du Staffy, et après vous pouvez regarder aussi les différentes fiches de présentation de ces chiens si vous avez, voilà, envie d'adopter un Rottweiler ou un Bosseron ou je ne sais quoi, un Beagle, ce qui donne des bons conseils, il démonte des clichés, c'est ça qui est très intéressant. Donc pour revenir à mon chien, donc ma chienne qui s'appelle Iris, pas choisi de nom, hein. En vrai son vrai nom sur ses papiers c'est Iris Chiara de los Caballeros, bon, apparemment des origines espagnoles, j'aime beaucoup, c'est vraiment un nom très très pompeux, ma chienne est de la haute, mais ouais, bref, ça reste un amour. Donc cette chienne, elle est née, alors apparemment elle serait née dans un élevage dans le 95, je vous dis apparemment parce que je l'ai adoptée à 3 ans à la SPA, donc tout ce qui est avant reste entre guillemets, parce que bon, c'est pas toujours exactement ce qui se passe avant. Elle aurait grandi donc chez un couple qui en fait avait le père, qu'aurait fait reproduire le père avec une chienne. Alors c'est pour ça que l'élevage, on comprend pas trop pourquoi elle serait d'un élevage, bref c'est un peu particulier. Ils auraient gardé le E, donc ils avaient le père, ils auraient gardé un des chiots de la portée, donc elle, pour être la chienne, ils l'auraient fait stériliser et apparemment ils l'ont abandonnée parce qu'elle aurait été agressive envers un enfant, donc qu'ils ont invité chez eux. Moi, ça me paraît improbable parce que c'est un amour avec les enfants, enfin, c'est un amour avec les humains de manière générale, et les enfants, elle a tendance à les zapper parce que, bah, elle, voilà, un humain adulte, elle va comprendre qu'elle peut jouer avec, un enfant petit, elle va comprendre que, bah, elle peut pas vraiment jouer avec, donc ça a pas trop d'intérêt, donc voilà. Bah, tous les enfants qui sont venus chez moi, du coup, des amis de parents, parce que moi, je n'ai pas un corps d'amis qui a des enfants, elle a été, voilà, sans problème, vraiment, c'est un amour de chien, donc c'est pour ça que moi ça me paraît très très bizarre. Elle a aussi été éduquée très sévèrement et elle a peur des bruits de scooter, elle a horreur de ça. Ça va un jour, mais je pense que je saurai pas parce que malheureusement le chien ne parle pas, du coup je ne peux pas lui demander, mais bon c'est pas grave. Le tout c'est que maintenant qu'elle est chez moi, elle soit heureuse. Donc pour situer, moi j'habite dans cet appart à Paris qui est en travaux, hein, d'où le bordel, mais quand je l'ai eu, j'habitais encore chez mes parents et depuis je vais tous les week-ends chez mes parents au moins 2-3 jours pour la voir en fait, parce que c'est mon amour, et puis de toute façon j'en ai marre d'être chez moi confinée, donc je vais chez mes parents qui sont dans la limite des 10 km. Donc quand elle est arrivée chez moi, ce qui était fou en fait, c'est que elle a comme découvert le jardin en fait. Je sentais que c'était le chien qui avait vraiment dû très très peu sortir, parce que quand elle était dans le jardin, elle était, mais elle reniflait tout, elle était, mais voilà, elle était folle, je veux dire, elle avait jamais dû, quand elle se baladait en forêt, elle avait vraiment jamais dû aller en forêt. C'était vraiment un chien qui avait dû rester enfermé, qui n'avait absolument pas été sociabilisé, parce qu'elle déteste les autres chiens, elle déteste les chats aussi, mais bon, bah, ça, voilà. Mais elle a beaucoup de problèmes avec les autres chiens, elle attaque tout ce qui est plus petit qu'elle, et tout ce qui est plus gros qu'elle, elle pourrait attaquer, sauf ceux qui sont de sa race, donc les Amstaff, les pics, ou les bulles terriers aussi, qui est une sorte de dérivée aussi de la race, là elle va pas les attaquer, mais
elle va avoir tendance à aller fuir, montrer un peu les crocs s'ils s'approchent trop. Alors c'est pas un souci dans le sens où on la tient bien en laisse, on la détache jamais dans des espaces qui sont ouverts. Et puis avec l'âge aussi, maintenant elle va avoir 8 ans donc elle est beaucoup plus sage, elle s'attaque beaucoup moins aux chiens. Et puis de toute façon moi quand j'ai un chien, soit je la tiens court et je lui dis tu le laisses et du coup elle va pas aller vers lui, soit je change de trottoir et comme ça il n'y a pas de souci. Elle a une ou deux fois essayé d'être un peu agressive envers des petits chiens, mais bon voilà, tu changes de trottoir, c'est pas forcément sa faute, hein. C'est un chien qui a pas été sociabilisé malheureusement, et bah, voilà. Les chiens pour elle le voient comme une menace. Imaginez, vous grandissez dans une forêt tout seul jusqu'à vos 20 ans et puis d'un coup on vous sort de la forêt. Le contact avec les êtres humains, bah c'est pas forcément facile. On l'a mis dans des parcs canins avec d'autres chiens au début pour essayer voilà de l'aider un peu, mais c'était pas une grande réussite. Soit elle les fuyait, soit elle jouait avec, mais elle était un peu trop vive. Donc après on s'est dit bon bah écoute, moi je vais à midi au bois qui est à côté de chez moi où il y a un parc canin, il y a personne là donc c'est bon, je la détache, elle a le parc canin pour elle, moi je surveille un peu les entrées, je joue avec elle, j'amène des balles, des bouts de bois, bref, on joue beaucoup et ça suffit. Comme c'est un chien qui est extrêmement proche de l'homme, elle ne souffre pas en fait de vivre toute seule et d'être le seul chien, le seul animal de la famille de manière générale, parce que justement elle est au contact des hommes et qui sont voilà, on est très proche d'elle, on lui fait tout le temps des papous, c'est un chien qui réclame des papous tout le temps. Elle vient, elle s'assoit, puis après elle se met sur le dos. Enfin, je vais vous montrer des vidéos. Elle se met sur le dos, puis elle fait des gratouilles comme ça. Vraiment, elle fait des bisous tout le temps. C'est un amour, mais c'est un amour de chien. Alors après, c'est aussi la race des Staffordshire Bull Terrier, de manière générale, est une race qui est très proche de l'homme. Pour la petite histoire, c'était des chiens qui, pendant la Première Guerre mondiale et un peu avant aussi, étaient utilisés par l'armée britannique parce qu'ils étaient costauds, très résistants aux maladies. Ils couraient aussi très vite, donc ils étaient pas trop gros aussi, donc assez discrets. Et du coup, ils les utilisaient dans les tranchées, notamment pour manger les rats, pour passer certains messages. Il y a des chiens pendant la Première Guerre mondiale qui ont été décorés, des Staffordshire Bull Terrier décorés, parce que voilà, c'est des chiens qui ont vraiment un très bon contact avec l'homme, qui sont très proches de l'homme, et donc ça explique aussi, je pense, pourquoi elle est aussi câlin et tout de manière générale. Donc après, c'est vrai que c'est pas forcément un chien qui est toujours facile, dans le sens où, comme je vous disais, elle fait entre 18 et 20 kilos, un mâle ferait 20 kilos, elle fait 18, donc ça reste des chiens qui ont de la force, qui ont quand même des mâchoires avec des dents, ouais, c'est voilà, quand même des bonnes dents, tout ça, donc si elle mord, ça fait mal, donc elle mord pas parce qu'elle est adorable, mais ce que je veux dire, c'est que si vous loupez l'éducation d'un tel chien, arrivé à l'âge adulte, ça peut faire des conneries. Alors ça va pas forcément être agressif avec les chiens, mais par exemple si vous la sortez pas assez, c'est le type de chien qu'il faut sortir à peu près une heure par jour, bah elle va bouffer les chaussures, ça c'est déjà arrivé chez moi, elle va canapé, elle va attaquer le canapé par exemple. Et aussi la mienne, elle a un truc de particulier, mais ça je pense c'est le syndrome des chiens qui ont été abandonnés, c'est que si quand on part, tout le monde part et on lui dit pas au revoir, en fait on lui dit pas qu'on va revenir, elle va aller faire des bêtises. Donc, par exemple elle va dans la salle de bain, renverser la poubelle de la salle de bain, elle va dans la chambre de mon frère, elle fait pareil avec la poubelle, bon bah voilà, c'est faut connaître ça, c'est les chiens qui ont été abandonnés, il faut aussi connaître que c'est des chiens qui sont plus fragiles émotionnellement, et du coup il faut leur parler. Moi je passe ma vie à parler à mon chien, sauf en balade, parce qu'en balade elle est plus voilà, il y a le monde extérieur autour, donc elle est plus concentrée on va dire sur ce qui se passe, elle va pas forcément m'écouter, et du coup moi je veux que en balade elle m'écoute totalement, parce que ça peut être plus dangereux si voilà il y a une voiture qui arrive très vite, comme je la promène grosso modo en ville, et après aussi dans les bois. Mais si par exemple dans les bois il y a des chiens détachés parfois qui viennent vers elle, donc là je suis en panique, genre en mode SOS, non arrêtez, tournez votre chien. Donc quand c'est un plus gros chien qu'elle, je me dis bon elle va pas leur faire, mais quand c'est un petit chien qui arrive, je suis là ah vraiment c'est, ah j'ai trop peur. Et du coup là je veux qu'elle m'écoute parfaitement, qu'elle soit au pied et que je puisse bien la tenir en fait, pour justement pas qu'elle puisse s'énerver avec l'autre chien. Donc c'est pour ça qu'en balade je ne parle jamais, mais dans le reste du temps, quand je sais pas sur le canapé ou en train de bosser, je sais pas, je vous raconte toute ma vie, même si bon bah je me doute qu'elle ne comprend pas tout, et je raconte toute ma vie. Et je pense que de toute façon tous les gens qui sont gaga comme ça parlent totalement à leur chien, et je pense que elle aime bien aussi. Moi je conseillerais le Staffy de manière générale à tous les gens qui, bon, un chien de manière, il faut du temps, hein, ça c'est le béaba, mais je pense quelqu'un qui aime jouer avec son chien, vraiment quelqu'un qui aime faire des grandes balades, qui aime lancer la balle et tout, qui a vraiment envie d'avoir un chien mais un ami, parce qu'il y a des chiens voilà qui sont plus solitaires, ou alors qui vivent plus en meute, qui sont moins proches de l'humain. Le Staffy c'est vraiment un animal qui est
très très proche de l'humain, qui adore le contact humain, et du coup je le conseillerais plus à des gens qui ont vraiment envie de jouer. Donc plus famille avec enfants, je pense que c'est même le mieux en fait, parce que comme ça il a plusieurs membres de la famille, il est jamais tout seul en fait, il y a ok bah toi tu vas travailler, bah moi je rentre là, voilà, donc ouais, grosso modo il y a tout le monde du monde. Famille avec des enfants qui sont au collège, au lycée, pour le chien c'est le mieux en fait, parce que du coup bah on peut beaucoup le balader, il est très très content. Voilà, ça c'est un peu tout ce qu'il y a à dire sur ma chaîne et les staffies de manière générale. Cette vidéo c'est surtout pour voilà présenter un peu le staffie, la race, parce que c'est vrai qu'elle est à la mode en ce moment, mais je pense que les gens se rendent pas compte que les staffies ça reste quand même des gros chiens, ça reste des chiens qui ont des besoins, qui ont une force, et que du coup il faut pas le prendre sur un coup de tête, c'est pas un cadeau de Noël, voilà, c'est vraiment faut le prendre en étant réfléchi. C'est vrai que nous comme on avait eu un pitbull avant, qui est en gros la super version dans l'évolution Pokémon, le Staffy c'est le Pokémon de base, après donc t'as l'Amstaff et après t'as le pitbull grosso modo en termes de force. Donc c'est pour ça que comme on avait déjà eu la toute dernière version, on savait à quoi s'attendre avec le Staffy et comment l'éduquer. Maintenant je vais vous emmener, là on est chez moi à Paris, mais on va aller chez mes parents et je vais vous montrer un peu ma chaîne et l'emmener se balader et tout, et vous montrer à quel point c'est un toutou adorable, et puis voilà. Bon, nous voici au parc canin et maintenant je vais lâcher la bête. Tu viens Alice ? T'es prête ? T'es prête à être lâchée ? T'es prête ? Vas-y, go ! Bois louloute ! Complètement fou léger. Ah bah non, mon sac Iris. Ouais, s'en fout, elle sent un truc. Ah. Tu viens, on court. Ouah. Bon, parce que, comme je vous ai dit, ce chien court beaucoup plus vite que moi. Allez, où? Oula. Cherche. C'est mon agent de la DEA. Elle cherche la drogue. T'as trouvé? Non, oui, t'as trouvé la drogue, toi. Je suis toujours à ses côtés quand même, parce que même si le grillage est haut et que normalement elle a jamais sauté au-dessus, j'aime bien être toujours à ses côtés quand je suis dans le parc canin. Je lance des bâtons. C'est qu'elle veut les manger. En fait, ce chien là-bas est prêt à rapporter. Donne! Please! Non, elle est prêt à rapporter. Voilà. Après, bah, bonjour pour lui attraper le bâton. Finalement elle est fatiguée. En vrai quand on va dans le parc, bon c'est quand même assez grand hein. Mais elle fatigue un peu, elle a presque 8 ans la pépère. Oh mon amour. Non voilà, comme je vous dis, c'est quand même hyper important quand vous avez un chien comme ça, un staffy ou des chiens quand même un peu plus gros qui ont besoin de courir, c'est important voilà, de les emmener dans des espaces comme ça boisés où vous pouvez les détacher, parce que moi comme je vous l'ai dit, la mienne je la détache jamais en dehors d'une zone clôturée où c'est le seul chien. Et là comme vous voyez bah, elle peut courir, ils se dépensent, même pour leur esprit aussi. C'est des chiens comme je vous dis très intelligents, mais c'est pas des chiens qui ont besoin d'être stimulés intellectuellement, le staffy, comparé à d'autres chiens par exemple. Mais elle aime bien courir quand même, elle aime bien chercher des trucs et tout. Donc c'est pour ça qu'il faut la sortir. Hein ? Fils de gros amour. Oh bah oui. 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 C'est mon chouchou. C'est mon chouchou. C'est mon gros chouchou. C'est ce démon de l'enfer. J'aime bien l'appeler le démon de l'enfer. Parce qu'en vrai, c'est une boule d'amour. Mais c'est un démon de l'enfer. Et le démon de l'enfer, d'ailleurs, il vous dit eh bah, merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Ça fait trop plaisir parce que bah à chaque fois que quelqu'un s'abonne, ça... T'as l'impression que ça, comment dire, ça aide beaucoup ton travail quand quelqu'un s'abonne, parce que tu te dis bah voilà, il y a quelqu'un qui aime et tout, c'est toujours valorisant pour l'ego et de manière générale. Donc merci à tous qui viennent de s'abonner. Et pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, ça aide vachement pour le référencement et puis ça,
ça aide toujours en fait d'avoir l'avis des gens et tout, donc moi je suis très contente, voilà. Et Louloute, tu dis merci? Moi elle est contente, je vous assure qu'elle est contente. Et attention, hein, ceux qui veulent pas s'abonner, je vous lâche mon démon de l'enfer, ouh! Ça va faire mal au cul. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. J'essaie de publier une vidéo tous les dimanches. Avec là, je finis pas mal de partiels, donc je suis comme beaucoup plus tranquille. Et puis comme ça, plus j'ai d'abonnés, plus je gagne de la YouTube money, et plus Loute, elle a des croquettes et des jeux vidéo, et elle est contente. Enfin, des jeux vidéo, des jeux pour chat. Allez, Louloute, on y va, au revoir. Ouh, oui. Ah, mais non, tu sautes. Allez, bisous. On y va. I am flesh and I am bone, rise up ting ting like glitter and gold.